Elle est donc secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. L'intitulé de son poste est presque aussi long que notre émission. C'est pour ça que, plutôt que de la présenter, je vais tout simplement la laisser parler. Bonjour Marlène Schiappa et bienvenue sur Europe 2. Bonjour Guillaume, bonjour Diane, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors Marlène Schiappa, la dernière fois vous m'avez autorisé à vous appeler Marlène, il faut vous appeler Madame la Ministre. Marlène Schiappa, comment non, vous appelez ? Non Marlène, c'est très bien, il est trop tôt pour le protocole. Bienvenue à vous sur Europe 2. Vous sortez ce nouveau livre qui s'appelle Juste une petite gifle, un livre très important qui parle des violences dans le couple avec des idées reçues. Et justement, la première idée reçue, c'est justement une gifle. Si c'est pas tous les jours, c'est pas grave. Oui, exactement. L'idée de ce livre, c'est de parler de toutes les formes de violences qui existent dans le couple. Les violences physiques, mais aussi les violences psychologiques, formes de harcèlement, toutes les formes de violences. Et donc, l'idée, c'est de dire que dès lors qu'il y a des violences dans votre relation de couple, c'est que c'est dysfonctionnel et c'est qu'il faut absolument réagir. Donc, trop de fois, il y a trop de femmes que j'entends dire « Il m'a frappé, mais c'est une fois, il était énervé, je l'avais cherché. » Et je trouve que cet argumentaire-là, quand les femmes l'intègrent, c'est extrêmement problématique. Ouais, on a l'impression que ce geste de la gifle, malheureusement, il a été presque banalisé. C'est-à-dire que moi, je connais plein de filles qui me disent « Oui, mon ex m'a frappé », mais elles considèrent même pas avoir été victimes de violences alors qu'elles l'ont exactement. Été. Exactement, et moi je veux dire qu'on sait que c'est difficile de gérer sa colère. Chacun peut avoir des traumas, avoir vécu des choses dures dans l'enfance, avoir des accès de violence. En fait, l'important c'est d'en parler, de se faire accompagner, de trouver des psys ou des associations. Il y a une fédération par exemple qui prend en charge les hommes auteurs de violences pendant le confinement, qui avait ouvert une ligne téléphonique pour que les hommes puissent appeler et dire « Écoutez, moi là j'ai un accès de violence, mais je ne veux pas devenir une personne violente, je ne veux pas frapper ma compagne, mes enfants, je ne veux pas avoir ces accès de violence, donc aidez-moi à me prendre en charge, à gérer ma colère et mes émotions pour ne pas devenir une personne violente. » Ça c'est important, on ne le sait pas assez. Juste une petite gifle, c'est le nouveau livre de Marlène Schiappa. Allez l'acheter, lisez-le. En plus, il se lit rapidement et c'est sous forme d'idées reçues. Donc, il y a une trentaine d'idées reçues environ. C'est un livre dans lequel on apprend plein de choses. C'est un livre qui fait réfléchir aussi. Je vais lire une des idées reçues, la numéro 8. L'emprise dans le couple n'existe pas, c'est toujours de l'amour. Alors, à partir de quel moment est-ce qu'on peut considérer qu'il y a cette notion d'emprise dans une relation de couple, Marlène Schiappa ? J'ai fait une idée reçue là-dessus parce que justement, c'est difficile. Quand on est amoureux, on a envie de plaire à la personne qu'on aime. Ouais. On adopte parfois ses passions. Enfin, je pense que ça vous est déjà arrivé autour de la table, de dire « Ah là là, t'adores ça, mais moi aussi !» On change pour la personne, en fait. Ouais, mais c'est pas forcément une stratégie, c'est pas forcément de la manipulation, c'est juste que comme on aime quelqu'un, on a envie d'être en phase avec cette personne. Et c'est difficile de faire la distinction entre dire bah, « Ça, c'est parce que je suis amoureux, donc j'ai envie de faire tout ce qu'il me demande ou tout ce qu'elle me demande, et je suis sous emprise. » Donc j'ai voulu rappeler que les violences psychologiques, elles sont définies dans la loi, il y a une définition très précise, et la notion d'emprise, c'est par exemple des violences psychologiques quand la personne que vous aimez bah, en fait, exige d'avoir vos codes de téléphone, de réseaux sociaux, de mails, de voir vos messages privés, par exemple, sur Instagram, vous empêche de sortir, dénigre vos amis, vous isole, fait en sorte, par exemple, ta copine, une telle, je l'aime pas, elle non plus, je l'aime pas, ta sœur, elle est chiante. Et petit à petit, vous en rendez pas compte, et finalement, trois mois après, vous êtes isolé, et vous n'avez plus d'entourage, parce qu'il a tellement dénigré tout le monde que vous ne voyez plus que lui. Ça, c'est un phénomène d'isolement et d'emprise. Alors, il y a une autre idée reçue sur les ruptures. Il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de violences conjugales et qui se disent, bah voilà, on va se séparer, il va y avoir une rupture et je vais m'en sortir. Mais au contraire, parfois, c'est le point de départ des violences, les ruptures. Exactement. Et en fait, pour ce livre, j'ai voulu mettre en face des idées reçues, des chiffres et notamment les études statistiques du ministère de l'Intérieur. Ouais. Ça fait une quinzaine d'années qu'il y a ce qu'on appelle les études sur les morts violentes au sein du couple qui expliquent justement comment se produisent les féminicides. Et on voit que la rupture, c'est toujours un élément déclencheur. Parce que certains hommes, je dis bien certains, hein, évidemment, c'est pas une généralité, mais certains hommes, ceux qui sont violents, préfèrent voir leur femme morte que libre. Et c'est comme ça que se produisent les féminicides. C'est au moment où elles disent « Je vais te quitter, je fais ma valise et je m'en vais. » Ils ne le supportent pas et il y a un passage à l'acte. Donc ce que je veux dire, c'est que la rupture, elle se prépare. C'est comme la plainte quand on est victime de violences conjugales. Elle se prépare pour avoir des éléments et pour pouvoir être en mesure de partir librement. Par exemple, quand on a des enfants, avec le livret de famille, avec un certain nombre de documents pour mettre les enfants à l'abri. Marlène Schiappa est notre invitée ce matin sur Europe 2. On parle d'un sujet très très important, les violences dans le couple. Le Morning sans filtre jusqu'à 9h30 sur Europe 2.